Si le moteur casse, refaites-le. S'il étouffe avec un carbu à deux corps, vous lui collez deux doubles corps. Et s'il étouffe encore, vous passez à l'injection. Mais il ne faut jamais renoncer. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à l'automatique. Mais c'est moins drôle. La famille Mone, vous la connaissez depuis longtemps? Je fréquente Sonny depuis quelques mois. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Pourquoi une fille qui me plaît tant peut sortir avec Sonny Mone? Être fiancée à un Mone, ça a des avantages? Ils sont sinistres. Ils volent leur plaisir aux gens pour leur revendre ensuite. J'avais mes illusions. Soyez contente. Vous n'aurez plus à jouer les petites filles stupides. Oui, toujours ça de gagner. Avec la racaille maintenant? Je lui disais la même chose. On réglera nos comptes, Brian. Je connais cette chanson-là. Vous n'avez pas l'air de comprendre que je me suis engagé vis-à-vis des autorités. Cette compétition doit se dérouler dans le calme et dans la discipline. Et je ne vois rien qui ressemble à de l'ordre dans cette ville. Attention, shérif, c'est à moi que vous devez votre insigne. N'oubliez jamais ça. Pour la dernière fois, débrouillez-vous comme vous voulez. Je ne veux plus voir ces minables traîner ici. Coffrez-les s'il le faut. Et je croyais que vous vouliez le plus de pilotes possible. Je veux qu'aucun des visiteurs n'ait à se plaindre de la sécurité. Ces courses vont donner un sacré coup de fouet à l'économie de la ville. C'est quoi ton carbu, là, dans la Willis? Une pompe à turbine pour aquarium. Une bonne occasion. Je connaissais pas ce truc-là. Mais de toute façon, je te parie $250 que ma tire, elle est quand même plus rapide que la tienne. $250. Et pourquoi vous l'arrêtez pas? Je fermerai plus facilement les yeux si vous rouliez avec un autocollant, Mon. Je conduis une voiture, moi, pas un panneau publicitaire. Faites comme vous voulez. Montrez-moi votre carte grise. J'ai pas eu le temps de m'occuper du changement. Adressez-vous à Ardelette. Vous avez le certificat de vente? Mais je viens juste de vous... Allez, dire... hop. C'est pourquoi, cette fois? Vol de voiture. Je confisque votre véhicule. Ardelette s'est occupé de la carte grise dès qu'il l'a appris.
Ils avaient sûrement prévu de me garder longtemps, ils ont repeint la cellule. Tiens donc, comment avez-vous fait? Vous êtes sorti vite? Attendez une minute. Mais pour qui il se prend, merde? Je vous avais dit de le coffrer plus longtemps. Je ne peux pas le garder, mais je peux continuer à l'embêter. Je vous ai dit que je l'ai entendu menacer Sonny. Vous êtes le shérif, faites votre devoir. Si je vous revois dans votre voiture... Vous n'aurez pas le temps de me voir. J'irai trop vite. Essayez de m'attraper. T'as perdu ton pari. Laisse-moi. Tu me dois $250. Je pense... Écoute, justement, je vous cherchais. Alors comme ça, on organise des courses sauvages pour les flics, hein? Hé, hey Brian, regarde ce qu'il a dans son stock. C'est génial, hein? Une pompe à injection GMC. Combien vous en voulez? Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à me donner? Une Willis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un hot rod? Bon, écoutez-moi, si vous gagnez contre Sonny Mann, on est quitte. Elle a traversé le bloc. Il est naze. Il te faut un nouveau moteur. Les bielles, les pistons, et puis tout le reste. C'était Sonny, vous êtes sûr? Ouais. Et la nationale qui commence dans 3 jours. Il faudrait faire le maximum pour gagner ces $1000. Ces salauds m'ont presque coupé l'envie de courir. Allez voir chez qui vous savez. Qu'est-ce que vous risquez? Œil pour œil, casse pour casse. We'll be right back.
pas loin non plus. Hé, hey, attendez. Avec toi. J'ai toujours eu envie de jouer avec ça. Et puis, j'ai mis la marche arrière à la place de la seconde. Première. Et ça va passer en seconde. Plus que deux jours avant les nationales, ça va chauffer les petits loulous. Capot. Il vient de mon autre voiture. Une chose, quatre pneus tout neufs. Eh ben, y a qu'à demander. On va d'abord passer boire une roue de bière. Allez, viens. Ça fait une éternité que je suis pas allée au drive-in. Et 700. Ça suffira comme ça? Ouais.
Ils sont tous là aujourd'hui, les grands comme les petits, les riches et les moins riches, ceux qui défendent les couleurs d'un sponsor et ceux qui montent eux-mêmes leur moteur dans leur petit garage. Non, non, c'est pas une BD, ma petite. Bah, il est drôlement gonflé. Il court dans ma catégorie. Ça te pose un problème? Et maintenant, on va s'occuper de lui. Centième à 212 000.